Et on lui a donné le shoot, fallait qu'il prenne et voilà, money time, good game. Yo mes petits pépitos, la Delta Family, c'est parti pour une journée de match. C'est la préparation, d'accord? Et du coup, qui dit préparation, dit des matchs amicaux. Alors c'est let's go, vous allez me suivre. Bon, vous allez me suivre, déjà on commence par une grosse galère. J'ai pas remarqué, toi d'habitude nous on joue en black, tu vois, on joue en noir. Et là le coach il envoie un message, bah les gars on va jouer en rouge. Sauf que gros, j'avais oublié dans la machine. Bah alors frérot c'est tout mouillé, tu vois déjà en plus le 12, moi je joue jamais avec le 12. Je joue avec le 4 et c'est tout trempé, Théma. C'est trempé, du coup on va, l'astuce, hein, je sais pas, mettez en commentaire si ça vous est déjà arrivé, partir avec un maillot trempé, mais déjà on commence très très mal. Très très mal, c'est même la galère. Alors c'est parti pour de longues heures. Je suis sauvé, ça sèche quand même un petit peu. Heureusement, sinon la honte. Et oui, je suis dehors, tu te demandes pourquoi? Bah je vais chercher le minibus. Donc c'est parti, Delta pilote. Ouh. Bon bah je pilote pas jusqu'au match parce qu'on joue contre Dadol Dijon, donc on les avait déjà joués. Ok, j'en profite pendant que je vais chercher le minibus de vous parler. Speak English ou speak French? Tu préfères quoi? Moi je préfère, déjà pour le bien de vous, je préfère français, ce sera mieux. Et du coup, bah voilà, on joue contre Dallon, on les a déjà joués, on avait gagné. C'est une équipe qui joue très bien dès le début, d'accord, qui, bah vas-y, c'est très compliqué au début parce qu'ils ont un bon cardio. Et puis après, ils commencent à relâcher et c'est comme ça qu'on avait pris le devant. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner le match. Moi, comme vous avez pu le voir, je vais essayer de m'appliquer beaucoup plus sur les shoots, la vision, le jeu. Et puis voilà, pas être trop foufou. Et puis, salut les gars. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, il va falloir gagner, pas se blesser, puis surtout prendre du plaisir, comme vous savez. Let's go minibus. Wouh, mes gars, me voilà dans mon minibus. Bang, bang, ça en jette. Moi, donne-moi un minibus, je le conduis. Donne-moi un bateau, je le conduis. Donne-moi une barquette de fruits, je la conduis. Allez, let's go. On part directement déposer le minibus pour qu'on parte avec l'équipe. Et oui, mon coco. Allez, oh, c'est un kiff. Un beau minibus comme ça, je suis beau comme un camion. Alors là, les filles, inarrêtable. Allez, go. Yo, les gars. C'est parti, on prend le... Wa-cha-cha. Les viandes. On prend le minibus. Toi, tu prends quelle place d'habitude? Je peux pas être où, je crois, d'habitude. Vas-y, je me mets là. Moi, je vais pouvoir ronfler. Direction Dadol, il n'y a pas tout le monde, il y en a qui sont déjà sur Dijon. Parti. Ça va, c'est lui qui gère le masque, heureusement, sinon je pouvais pas jouer. Putain. Punaise, c'est stylé. Là, il y a du parquet. Le coach. Attention, si je suis pas ça, il va même pas me faire rentrer. Mes deux caméramans. Caméraman Thibaut, toujours là pour supporter. Je sais pas prendre photo. Mais faut que tu fasses une photo avec mes gamins, ils sont fans de toi. Au lieu ça de... roule. Les deux ptions qui jouent. Ok. Mathis et Matan, finalement. La neige blonde que t'as charrié le cou et puis le grand dédé, là. Il y a les idiots qui me ressemblent. Et ils sont fans de toi, ils osent pas te le dire. Ah ouais. Regarde tes vidéos. Bon, cool, ça fait plaisir. On va changer là. Hein. On change là. Sans vestiaire. On va voir ma quille. Bon, regardez comment on le change avec le Covid. On change là. Donc tout le monde a vu nos fesses. Lui c'est pareil, le coach s'entraîne en attendant. Ça c'est les chaussures que je vous ai parlé. Franchement elles sont bien. Mais je vais voir pour les. Franchement je vais voir pour les Paul Georges. Ça a l'air d'être dingue. Allez match. C'est parti, on regarde le petit match. Donc déjà entre deux je cours et hop. Et ouais, je perds le ballon. Voilà. Donc ça c'est du grand Deltaloid. Voilà, d'autres actions, donc c'est parti, boum, hop, petit drap, je passe la balle, je sais pas ce que je fais, je suis un peu perdu. Ah, le petit écran, réception, hop, hop, et là, Coco, la petite passe à l'opposé, tu connais? Hey, loup! Ah bah, prochaine fois, je fais pas de passe, les gars. Déjà, j'en fais pas beaucoup. Alors là, c'est parti, donc cette action-là, ouais, je la réceptionne, je shoot, et comme je vous ai dit, bah, le shoot, c'est vraiment pas en ce moment, mais le shoot ouvert, je trouve qu'il était bien. Petite action, boum, je donne, il va go dunker. Et non, il loupe. Donc pareil, voilà, ça a été loupé l'action d'avant. Là, je demande la balle, donc finalement, je suis mieux à l'intérieur. C'est plus simple, hein, comme tu peux le voir. Mais bon, voilà, donc là, hop, je crois que je reçois la balle. Je vais pour attaquer, j'attaque. Ouh, il est parti. Et on met le petit panier. Bon, cette action, elle était simple, pas mal, efficace, agressive.
Là, je reprends le rebond, il me semble. Voilà, le petit rebond, j'aime bien aller au rebond, d'accord? Surtout quand je fais des doubles pailles que je loupe. Mais autant aller au rebond. Hop, là, qu'est-ce qui se passe? L'arbitre est juste devant. Hop, qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, la petite passe de Delta. C'est la petite passe de Delta. Donc là, je regarde en même temps que vous. J'ai sélectionné, bien sûr, mes actions, mais je les commente en même temps. Voilà, la petite coupe à l'opposé, donc efficace comme tout, mon coco. Ah oui, attends, l'armée, j'ai pas eu le temps. Oui, là, regardez, on peut regarder un arbitre qui est en forme. Regarde, 3, 2, 1. Action, perds pas le temps, parce qu'il y en a, mon gars, il court pas. Lui, ça galope. La contre-attaque, boum, donc les dunks, c'est pas pour maintenant, comme je vous ai déjà dit. On va attendre un tout petit peu de se remettre quand même. Action, faute. Eh oui, la petite faute qui va bien. Hop, là, je comprends pas. Là, les gars, c'est pas le fait que je loupe. Regardez, on remet l'action. Écran, shoot ouvert, je shoot. Mais les gars, je marque pas. Je le fais tout. Ça va marquer à force d'être à la salle tout le temps de basket. Là, la petite passe, hop, on me la redonne. Efficace à l'intérieur. Voilà, je sais pas combien comme ça à l'intérieur, ça marche bien. Autant profiter. Hop, le rebond. L'enfoiré, regardez cette action. Là, il y a le rebond. Pouah, moi, je me dis, mon grand, je vais l'avoir. C'est un petit défi que j'ai pour moi-même. Je vais prendre le rebond à mon rouge, t'as capté? Et ah, bah, je l'ai pas. Et regarde là, ma tête que je fais. Ah, elle n'allait pas au-dessus. Oh là là. Là, regardez, pour moi, ils disent qu'il y a faute. Mais pas faute de moi. Pas faute de mon gars, aussi. Pourtant, donc oui, là, tu remarques qu'il tient le maillot. Ok, là quand tu mets le pote, mais regarde comment il le back. Pouf, elle dégage. Non, je sais pas pour vous, mettez en commentaire si vous pensez. Il y a faute de qui là finalement? Qui fait vraiment faute? Dites-moi. Hop, on demande le ballon, je le vois pas. Je reprends mon rebond, je ressors. Donc là, c'est un peu mal joué, je trouve. Parce que regarde, il me l'enfonce. Donc là, mon gars, j'aurais pu lui passer parce qu'il est largement devant. J'ai pas dupé la tête. Petite erreur. Il me dit aller comme ça, comme un con, forcé. Pas forcément la meilleure solution. Donc voilà, je vous ai mis mes petits. Donc voilà, là en bas, on est à l'aise. Je vous ai mis mes petits défauts aussi, mes petits trucs qui vont bien. Mais c'est, je pensais que c'était bien de mettre mes défauts aussi. Donc voilà, là c'est la mi-temps. Là on repart. Deux plus belles, je sais pas si ça se dit. Donc voilà, attaque, petite passe à l'opposé, shoot du numéro 6, je coupe. On se comprend bien avec mon confrère. Là hop, petite attaque. Hop, encore passe à l'opposé, bien sûr. Bon bah là c'est loupé. Malheureusement, hop, défense, on récupère le ballon, c'est bénef, c'est pour nous. Tac, on bloque bien, on reprend, et let's go, on fonce, appel rebond parti, on fonce, mon petite passe, on coupe, réception, et on marque. Bon, ça j'avoue que je kiffe bien le faire. le pauvre sac, j'avoue, là l'arbitre. Moi, mettez en commentaire si vous pensez vraiment qu'il y a faute. Là, regardez, j'ai stoppé. Mais regardez. Tac, tac, y'a. Est-ce que vous pensez qu'il y a faute? Dites-moi en commentaire. Allez-y, je vous laisse le temps. Mais là, ouais, j'avoue, c'est normal qu'il la demande quand même. Qu'est-ce qu'on se fait? Boum, petite attaque. Action. Ah, la balle, quand tu vois, le dribble est trop. Ça sert à rien. Petite finition quand même. Le panier y est. Boum. Là, il y a faute ou pas? L'arbitre ici, est-ce qu'il y a faute? Je sais pas, il y a contact, non? Regarde. Bon, est-ce qu'il y a faute pour vous? Mettez aussi en commentaire pour vous s'il y a faute pour moi. Mais bon, ça arrive. Tac, petite défense. Hop, on récupère la balle. J'ai un petit peu mal au fessier. On repart de plus belle. Allez, celle-là, hop là. Et loin. Celle-là, elle compte bien. C'était bien. Un peu. Dis pas que c'est de la chance. Et là, attends, suspense, je mets pause. Est-ce que d'après toi, je vais le mettre? Est-ce que je vais mettre ce lancer franc? Sachant que j'ai loupé beaucoup de paniers depuis tout à l'heure. Des fois, ça veut rien dire. En commentaire, mets-le directement. Oui, non, oui, non. Dis-moi. Avec le like, bien sûr. On va voir ceux qui ont confiance, ceux qui n'ont pas confiance. Et bien sûr, je le loupe. Eh oui, super bon. Punaise. Bon, bah, ça, l'attaque, ça va mieux que les shoots. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, il faut que je progresse énormément sur le shoot pour plumer tout le monde. Pas de pitié, il va falloir. Cette action, c'était laquelle? Je n'en rappelle plus. Ok, il drive. J'essaye de défendre sur Thibaut. Et il me le met sur la gueule. Ouais, je trouve que là, je recule trop. Comme regarde, je veux l'armer. Là, je prends l'impact.
Vous allez voir, je prends l'impact et je recule. Je dois être plus costaud. Costaud la Delta Family. Ça va pas. Ça ne va pas. Oh, petite attaque. Ah oui, là non plus ça ne va pas. T'attaques. Je veux faire la passe à celui qui drive avec moi à l'opposé. Parce que j'en attire deux sur moi et qu'est-ce que je fais? Perte de balle, évidemment. Évidemment, voilà, elle vaut mieux. Là, elle vaut mieux. Hop, petite passe. Là, c'est honnête. Je prends, je décale avec un shoot, je shoot. Et non! Airball! Airball, mon coco! Bon, alors on va faire la passe! Et non! C'est loupé! Bon, moi, t'es agressif et c'est ça qui compte aussi. Donc, c'est plutôt cool. Donc là, j'attaque, je redonne à l'opposé. Il n'y avait rien à faire, du coup, ça me donne une petite faute. En ayant la faute, du coup, là, j'ai les lancers. J'en ai deux, donc deux fois plus de chances de marquer. Parce que tout à l'heure, voilà, j'avance un peu. J'avance, ça me casse la tête. Hop, d'après vous, est-ce que je vais le marquer? Juste dans ma tête, sans le mettre en commentaire. Et oui, du bord de la rondelle. Oui, on la mise. Et là, le deuxième, est-ce que je vais le mettre? Oui, non, garde-le dans ta tête, on va voir. Attention, suspense. Suspense est à son con. Hop. Et oui. Oh, ça revient. Ça revient. Regardez combien de temps il reste. Il reste 20 secondes pour fin du match. Surtout, le meneur et le coach disent, c'est la dernière action. C'est-à-dire qu'on se la joue en une. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le gros à qui on fait la passe? Le gars qui veut se mettre des points, hop, direct pour les stats. Je te laisse regarder. Et voilà, il dégaine, l'enfoiré. Bon, du coup, victoire en apnée, 64-73. Bon, après, t'as Dayan, au début, il restait 10 secondes, comme vous avez pu voir, qu'est-ce qu'il a fait? Mettez en commentaire s'il a eu raison ou pas. I would like to say, but my coach, he told me donc le coach a parlé, et il a pas compris. Yeah, and take the tears, like, du coup, take the tears. Il a pris le shoot sans savoir. Take the tears, yeah, shots. Take the shots and don't give a shit about your team. Et on lui a donné le shoot, fallait qu'il prenne et voilà, money time, good game. Man. Thank you. Oh, putain, merde. Ça me fait tout le temps rire ce bruit là, écoutez. Oh, ça rien m'amuse. Punaise, en tout cas, hé. Ouais, franchement, vous avez vu les shoots que j'ai tirés. Franchement, c'était des shoots ouverts, mais je loupe beaucoup trop. Il va falloir que je retourne shooter. Parce que si je les mets, un match qui a de, voilà, beaucoup plus d'importance, je veux dire, je peux vraiment bien s'en sortir. Il faut vraiment faire un bon match, quoi. Mais là, en faisant des airballs, les gars, on va pas aller loin. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas d'activer la cloche de notification, de vous abonner, de lâcher un like un maximum pour la touche à Maxime. Un gars de télé-réalité, vous l'avez jamais vu ou pas? Et puis voilà les gars, merci en tout cas, ciao. On s'est même pas douché avec les nouvelles réglementations. Les gars, ça pue. Moi j'ai les gars, ça sent fort. Ça sent le manioc, tout ce que tu veux. J'ai mis deux fois. Oh là là, ça sent comment les gars? Ça pue gars, ça pue. Ça sent le calamor. Ah ça sent gros. Arrêtez avec votre Covid là.